Malheureusement, le site a été rasé sans être fouillé. Et finalement, on saura jamais. Coup dur. Il y a quelques semaines, l'un d'entre vous m'a écrit pour m'informer d'une affaire archéologique qui a fait polémique. En juin, une trentaine de petits menhirs ont été détruits à Carnac en Bretagne pour construire à la place un magasin Monsieur Bricolage. La presse locale en a pas mal parlé et plusieurs versions s'affrontent. Selon la mairie de Carnac qui a délivré le permis de construire, ce terrain n'était pas référencé comme une zone archéologique et il n'y avait donc pas lieu de refuser le début de la construction. Pourtant, la direction régionale des affaires culturelles avait demandé une fouille en 2015, préalablement à une construction qui n'a finalement pas vu le jour. Pourquoi la fouille n'a-t-elle pas eu lieu cette fois? Est-ce qu'on a oublié le site? C'est vrai que ces menhirs étaient pas très imposants et que certaines de ces pierres ont été déplacées pour construire une espèce de muret, mais pour les spécialistes interrogés, il aurait quand même fallu fouiller ça correctement pour en avoir le cœur net. D'autant que la région essaye d'obtenir un classement UNESCO pour son patrimoine mégalithique. Ah, c'est sûr, ça fait mauvais genre.